Alors, je m'appelle Aurélie Simon-Villet, j'ai 33 ans et j'habite à Berle-Châtel. Alors, je suis en formation pour devenir plaquiste, avec un parcours un peu spécifique, puisqu'on m'a proposé de faire aussi carreleuse dans le même temps. Donc, je fais plaquiste et carreleuse. Alors, j'ai choisi ce métier parce que mon papa a une micro-entreprise de maçonnerie rénovation. Je l'ai aidé à un moment donné où il faisait du placo et ça m'a plu. Je me suis dit, c'est magique, en fait, on crée quelque chose pour de vrai. Et je me suis dit, voilà, c'est ce que je veux faire. Alors, le carrelage, on m'a proposé donc faire soit peintre, soit carrelage. Et le carrelage, c'est dans la continuité du placo, puisque une fois qu'on a créé un mur, on peut le faïencer. Et je me suis dit que c'était ce qui allait être plus logique aussi. Et ce qui me plaisait le plus aussi, donc voilà. Donc, j'ai eu envie de participer parce que je me suis dit que c'était l'occasion de donner la voix d'une femme dans un milieu du bâtiment et que de nous mettre en valeur aussi parce qu'on n'est vraiment pas nombreuses, donc c'était une bonne chose. Et si ça peut motiver d'autres personnes à faire ce métier-là aussi, je me suis dit pourquoi pas. Ce dont je suis la plus fière aujourd'hui, c'est en stage, j'ai réalisé toute une pièce complète en doublage placo avec isolation sur 15 jours. Donc c'était un beau défi pour moi qui vient de commencer. Et de faire un métier physique, d'y arriver et d'être une femme et de montrer qu'on est autant capable qu'un homme. Eh bien, n'hésitez plus. On manque cruellement de femmes dans le BTP et ce genre de le bâtiment. Il n'y a pas de frein, on est toujours les bienvenus, on est aussi capables que les autres et on peut accomplir de grandes choses.